Les Philippines, sous le choc d'un attentat à la bombe meurtrier. 14 personnes ont été tuées et une soixantaine blessées vendredi sur un marché de Davao, la plus grande ville du sud de l'archipel. Une ville dont l'actuel président Duterte fut maire pendant 20 ans. Les autorités ont attribué l'attaque au groupe Abu Sayyaf, un groupe qui a fait allégeance à l'organisation État islamique. Le chef de l'État est apparu au chevet des blessés. Il a décrété l'état de non-droit sur l'ensemble de l'archipel philippin, ce qui accorde plus de pouvoir à l'armée pour mener des opérations de maintien de l'ordre normalement attribuées à la police. L'explosion a eu lieu vers 23h heure locale dans un marché animé où se trouvent de nombreux restaurants. Davao se situe sur l'île de Mindanao. Des séparatistes musulmans mènent depuis plusieurs décennies une rébellion armée.